Si tes rêves, ils ne te font pas peur, qu'ils ne sont pas assez grandes. Réveille au milieu de la nuit en transpirant, tout simplement parce que tu veux faire des choses que tu penses que tu ne peux pas faire. Dans la vie, tout ce que tu dois faire, c'est que continue de te former, s'entraîner, améliorer. C'est là où tu peux grandir et où tu peux surpasser les obstacles. La vie pour moi, c'est vraiment ça. Si tu as cette envie de faire quelque chose, pourquoi pas essayer? Regarde pas souvent en arrière parce qu'on perd où on va aller en avant. On perd la direction. Et puis quand tu regardes en avant, tu sais où tu peux aller. Et puis pour moi, je regarde ces sommets. C'est pour ça que je fais mes montagnes. Je vais aller là. J'ai un objectif qui est visible, que je vois. Je vais là. Et quand je suis en haut, je suis pas peut-être l'homme le plus fort de la planète, mais je suis l'homme le plus heureux de la planète. Si on compte tous nos anniversaires, c'est là où tu peux devenir vieux. Mais moi, je ne laisse pas rentrer du vieux monsieur dans ma tête. C'est vrai que la vie n'est pas toujours facile. C'est vrai qu'il y a plein d'obstacles dans la vie. Mais la seule manière de rendre vie qui est difficile, plus facile, c'est de s'améliorer toi-même. Pour moi, ma vie, c'est la seule valeur que j'ai. C'est-à-dire que j'ai aussi décidé d'investir dans les choses que je ne peux pas perdre. En fait, les choses que je porte à l'intérieur de moi, les expériences, les vécus. Et je ne voulais jamais une grande voiture ou une maison ou quelque chose d'autre. Je voulais juste beaucoup d'expériences. Il ne faut pas avoir peur de vivre parce que si tu as des soucis, tu vas mourir. Si tu n'as pas de soucis, tu vas aussi mourir. Pourquoi avoir tous ces soucis alors?
Imagine que tu partes dans l'inconnu et tu vas découvrir quelque chose que tu n'as jamais vu auparavant. Si je peux vous donner des conseils, et mes conseils comptent pour rien, hein, c'est continuer d'essayer, même s'il y a des échecs. À travers l'échec, on apprend.